La réponse à fournir à la Grèce et au peuple grec, dont de larges segments de la société souffrent, et certains affreusement, ne consiste pas à répéter du matin au soir qu'il faut faire des économies, épargner, couper dans les budgets. Cela doit être fait de la façon la plus raisonnable possible, mais il est évident qu'une véritable stratégie européenne de croissance pour la Grèce doit être mise en place. Mais je suis confiant que cette fois-ci, et après tant de délibérations et d'exercices amicalement pédagogiques, le gouvernement grec et le Parlement grec saura satisfaire aux obligations que les autorités grecques ont acceptées. Moi, je me suis inscrit en faux contre l'idée d'envoyer un commissaire, un commissaire, il n'y a pas de bonne traduction dans les autres langues, en Grèce. Ce que j'ai proposé hier est de désigner un commissaire au sein de la Commission qui s'occupera prioritairement de la politique de relance en faveur de la Grèce. Parce que les problèmes sont à ce point graves. Et le désespoir du peuple grec est à ce point inquiétant qu'il faut prouver qu'un commissaire s'occupe exclusivement des politiques de croissance en faveur de la Grèce.